shady, this is what I give you. A little bit of me hits you some hard, like got some vodka that'll jumpstart my heart quicker than a shock when I get shocked at the hospital by the doctor when I'm not cooperating, when I'm rocking the table while he's operating. Hey! You waited this long to stop debating, cause I'm back, I'm on the rag and ovulating. I know that you got a job, Miss Cheney, but your husband's heart problem's complicating. So the FCC won't let me be, or let me be me, so let me see. They try to shut me down on MTV, but it feels so empty without me. Bonsoir à tous les potes, ici JP Vadana, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo là du samedi soir, enfin en tout cas je filme le samedi soir, je sais pas si je pourrais mettre la vidéo en ligne. Là pour l'apéro, on sait pas. Bon alors qu'est-ce qui se passe là? Je suis rentré plus tôt du taf, et puis là on va se faire une petite vidéo sur la réflexion de l'escorte Magnum. Surtout je me suis commandé aussi les potes. Un autre colitos, je me suis commandé du matos, c'est un autre point rouge. Alors vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il faut avec tous ces points rouges, quoi. Le mec, c'est des illuminations de Noël. Mais bon, on s'en bat les reins, donc celui-là, j'en suis très satisfait. Mais bon, il y a eu une opération, tu vois, sur Nature Abeille. Puis comme un connard, hein, tu vois, j'ai cliqué, il y avait les frais de port offerts. Et puis surtout, le machin, est-ce que ça filme, est-ce que ça cadre? Le truc, il coûte que 50 boules, tu vois, donc 50 boules. C'est un matos que je connais déjà, hein, puisqu'il s'agit de marques random. Comme ce point rouge que j'ai commandé, j'en suis tout à fait satisfait. Hein. Alors, je sais pas s'il résiste au coup de boutoir d'un 12 à répétition. Hein. Mais bon, apparemment, les gens s'en peignent pas, d'après les commentaires, les copains. Big up à Los Fumiolos Hermanos, big up Burgundy Power. Alors, j'étais en train de mater sa vidéo sur ce HDB, là. Les trucs comme ça, billes là, de défense, ça me botte plus trop, mais bon, j'en ai toujours, hein. Mais assez sympa sa vidéo, donc big up à lui. Bon, voilà, on va s'ouvrir ce putain de colis que j'ai reçu là. Et dedans, on trouve quoi, les potes? Un Red Dot Scope. Ouais, donc boîte chinoise de merde, hein, tu vois. Là, ça respire pas trop la qualité, moi, je pense. Mais bon. Putain. 50 balles, je te dis. La petite clé est fournie. Bon, ok. On va voir. De toute façon, j'aurai tout un tas de chignoles sur lesquels on va le mettre. Ah ouais, bien foutu, putain. Regarde-moi ça, là. Tu vois ça, là? Bon, on a déjà des ouvertures. Protection d'ouverture sur les techos comme ça. Bon, plutôt bien foutu, là. En attendant. Bon, ça, c'est quoi? Je ne sais quoi. C'est quoi? C'est quoi? Je ne sais quoi. Notez un peu. Ma diction légendaire. Bon, c'est peut-être pour activer le laser. Ah ouais? Putain. Bon, pas de notice d'utilisation là-dessus, toujours. Donc, c'est en rail Picatinny. Bon, il y a une bonne gueule, hein, déjà, hein, le truc, là. Hein. Ce qu'on doit noter. Alors, je sais pas à quoi ça sert, tous ces boutonniaux, là. Je sais pas, ça se dévisse. C'est pourquoi, ça? Attends, on va essayer, hein. Ah, ok, donc ça, c'est les réglages. Le réglage en hauteur, et ça, ça va être le réglage en dérive. Bon, bizarroïde. Ok, je sais pas, moi, ce que c'est que cette affaire, là. Ça, on peut dévisser, là, présentement. Attends, je sais même pas si tu vois correctement, excuse-moi. Hein. Pff, vidéo à l'arrache en rentrant du taf, comme d'hab. On va essayer de se manier le fion. Donc là, je dévisse, mais qu'est-ce que je découvre? Allez, putain, bon bah. Pour être pressé. Ah! Ah, putain, ok. Bon, super, c'est un logement pour la pile, mais bon, c'est quelle pile? Ils nous disent pas, il n'y a même pas de notice dedans, donc super, tu sais. Donc on se démerde, c'est pour savoir la taille de la pile. Ça va pas l'air d'être la taille d'une pile à 4. Oh
Ouais, je sais même pas, hein. Peut-être une grosse pile. Alors, je sais pas si j'en ai, moi, de ces piles-là. Franchement, pas sûr. Quand je regarde à l'atelier s'il n'y a pas des piles qui traînent. Mais non, je crois pas, hein. Un joint pour le PCP, ça aussi je vais remettre. C'est marrant ça, tu sais qu'on en parle, parce que je postais la dernière vidéo là, les gars, il y a un mec qui ose me dire ouais JP, contrairement à ce que tu disais, tu vas abandonner la 4C et tout, les ergon, les machins. Mais putain, mais arrête de regarder une vidéo comme ça par hasard et puis de te pointer puis de te mettre un commentaire comme ça. Je t'ai dit même pour mon message de la bonne année. J'ai tout un tas de bordel, même des points américains à points. On sait pas ce que ça traîne là. Donc le gars, même la vidéo de la bonne année, je t'ai dit que la 4B, j'abandonnais jamais. Hein? Donc arrête de me faire chier. Bon bah les gars, je vous ferai une vidéo test de ce point rouge. En tout cas, les bonnes gueules, une bonne gueule. Une fois que j'aurai trouvé le type de pile que c'est. Hein? Et puis voilà quoi. Bon, ça m'a l'air pas très de la qualité quand même. Mais bon, pour 50 balles, peut-être que ça fera l'affaire. D'ailleurs, je consacrerai, les gars, une vidéo. Est-ce que des points rouges chinois de merde à 50 balles convient pour des armes à feu, hein? Donc, on verra ça. Comptez sur moi, les copains. Bon, en tout cas, bon, je dois dire que l'ensemble est quand même une belle gueule. Je trouve, ça fait assez stylé. Sur des flingues, bon. Ok, bon, passons ça. On s'en occupera un peu plus tard, les copains. Oh, merde! Putain, j'ai perdu ma petite truc, là. Red Dot Scope. Ouais. Et puis, bon. Qu'est-ce que j'ai foutu? Bon, bah, j'ai redémonté ça, là, hein, pour vous tenir au courant. Donc, ça, ok, j'ai réussi à l'adapter. Ça, ok, non. Donc, je renvoie au vendeur, hein. Alors, merci, les potes, pour tous vos messages de conseils et de soutien. Alors, ouais, trois solutions. Soit retailler là-dedans, mais pour ça va être la merde. Soit le chauffer au pétard, mais c'est thermique, mais ça va être trop le déformer. Et puis, en plus de ça, les gosses, que vous savez pas. Donc, merci pour vos conseils. Mais, tu vois, ta bague d'ajustement, là, elle est pas du tout du diamètre du tube du pétard en lui-même. Donc, tu vois, à très juste titre, vous m'avez dit, ouais, putain, ça a l'air d'être une crosse pour... un calibre 16 ou 20, oui, ça doit être un calibre 16, les gars. Donc bon, là, c'est baisé, je peux pas les réadapter. Donc, j'ai envoyé un message au vendeur. Donc bon, oui, il m'a dit, oui, ça montait et tout. Mais bon, qu'est-ce que je te dise, moi, on va pas l'incriminer. Peut-être qu'il voulait vendre son truc, mais bon, voilà. Bon, il était pas au courant, peut-être. Il a le bénéfice du doute, hein, le doute m'habite. Et puis, bon, oh putain, il était joli, là, lancé de paquet de clubs. Mais bon. En tous les cas, il est honnête, il me le reprend, il me paye les frais d'envoi, et puis il va me rembourser, donc bon. Donc à ce titre-là, les copains, voilà, donc j'ai repeint, tu vois, j'ai mis noir mat, repeint bien au propre, la crosse et la longuesse d'origine. Donc on va le remonter, et puis on va se faire un petit montage comme ça. Donc par la suite, ouais les potes, je vais commander sur Amazon, j'ai vu là qu'il y avait de l'hydropainting, comme t'appelles là, de l'hydrotype je crois. Donc on va l'essayer, hein. Ils vendent tous des kits à une cinquantaine d'euros avec tous les motifs que tu veux. Donc les potes, on va s'essayer ça pour custo nos armes. Et puis bon bah, ma foi, ça sera un petit sujet d'étude. Et puis, tu vois, une petite découverte entre nous, quoi. Ok ? Donc, first, ce que j'ai commandé là-dessus, j'ai commandé un film, tu sais, à étaler là, de bagnole au pétard thermique. Donc, on va essayer de l'appliquer sur le plastoc, là. Et puis, si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, eh bien, on investira, je te dis, pour une cinquantaine de balles, pardon, dans l'hydro-painting, là. Et puis, bah, on viendra l'appliquer, hein, tout simplement. Hein. Ok ? Donc, ce que je vous propose, les potes, pour finir cette vidéo, je vais monter la crosse noire, full black. Alors, je sais pas si t'as vu dans le catalogue Hatsan, mais il existe des modèles... Ah, putain, regarde ça, là, hein, comme j'ai foutu le canon, là, tout poli, hein, comme un fumier. Je suis plutôt satisfait de mon résultat, les potes. Et donc, oui, donc, ce que je voulais te dire... Attends, on dirait qu'il a pris de la coke, mais non, les gars. C'est que, oui, sur le catalogue Axan, tu vérifieras
Catalogue AXA. Oh putain, je vais pas y arriver, hein. Putain de merde à parler. Catalogue Hatsan, c'est que y a un modèle marine qui est full black et poli. Ok. Donc, on va se remonter les petits boîtiers sans patache ensemble. Et puis voilà. Tac. Allez, on finit. Voilà. Tac là. Ok. Donc, plutôt boulot propre, hein. Rien au sol, hein. Full black, le mat. Quand même, c'est de la gueule aussi, hein. Donc, je le remonte, les potes, en off. On se reprend et puis on en discute entre copains, la famille, une petite binouze, un petit saucisson, et puis voilà, ok. Ouais. Bon allez, c'est parti. Bon bah voilà les potes, hein, j'ai remis la crosse là, donc bon, on va voir, hein. On va faire un montage comme ça. Donc ça va pas être le modèle définitif, hein, évidemment. Mais bon. Ok. Hop là, putain, ouais, c'est pas mal foutu, moi je trouve. Ouais, que la crosse repeinte comme ça, il y a moyen, hein. Les mecs. Ok, on va se remonter le berzingue directement. Hop là. Toc. La longuesse. Donc là, je te propose un modèle full black. Allez, mon fumier. Voilà. Schlock. Modèle full black. Et poli. Hop. Bon. Ouais. Putain, bonne gueule quand même, hein. Tu vois, en full black mat et puis chrome. Qu'est-ce que t'en penses, Rocheteau? C'est pas mal, hein. C'est un peu du truc de Terminator, je trouve, ce truc-là, non? Ok. Bon, puis bon. Ce qu'on peut s'amuser à faire, c'est mettre ce truc là, qu'on va foutre une pile par la suite, hein. Random, ouais, du hasard, c'est peut-être le hasard, hein. Du gros hasard, mais bon, je te dis. Alors, en plus, ce que je note là-dessus, les gars, c'est que, tu vois, t'as plusieurs positions, tu vois, donc ça sent truc chinois à la con, mais bon, regarde, t'as des points, un rond, une croix, puis une croix avec un point, comme ça, t'es tranquille pour repérer ton putain de glié. De merde qui sort d'une trace pour aller lui fumer le museau avec une sauvestre. D'accord? Bon, on va s'amuser. Elle prémonte là-dessus. Les gars. Voilà. Donc, par contre, t'as qu'un slot. Moi, j'aime bien quand il y a deux slots parce que sous les coups de boutoir du. Oh, putain de merde! Moi! Oh. Ah ouais! Oh, putain de gueule là! Donc j'espère que c'est de la bonne, mais putain, regarde-moi ça, ce fusil d'enculé de ses morts. Ouais, oh merde, putain, pas mal. Franchement. Bon, voilà, rejetot, quoi. Bon, voilà un peu pour le montage. Pff, c'est assez bizarre, hein, ce point rouge. Hein. À la limite, je préfère l'autre, tu vois, là-dessus. Ou alors, tu peux faire deux points rouges, tu sais. Comme ça, t'es tranquille du coin. Ouais, donc ça, c'est plutôt pas mal pour mettre sur un pétard ou, tu vois, un AR-15 ou un truc comme ça, quoi. Le truc tactical. Ah, le montage là-haut, là, j'aime pas trop. Je sais pas ce que vous en pensez. Eh, les gars, ils claquent quand même assez, là, dans cette putain de config d'enculé de ses morts, là. Regarde. Donc bon, on le fera camo, de toute façon, coûte que coûte. Putain, regarde. Refait, il est beau, hein. Attends, je monte l'autre point rouge, puis on voit ensemble, les gars. Du coup. Toc. Avec le petit point rouge, là, type ACOG. Tu sais, la forme ACOG, là, tu sais, les petits... les émirs, là, des forces spéciales, là, TICOM et les couilles, là, tireur d'élite, là. Je ne sais quoi. Allez, putain. Oh. Toc. Ah ouais. Et... Ouais, putain, il est badass. Oh ouais, putain. Ouais. Tiens. Ah, putain.
Ouais. Ouais, il est quand même stylé, hein. Quand même une sacrée gueule, hein. Donc tu t'imagines bien là que le sanglier, quand il te voit sortir d'un buisson comme ça, les couilles dans le dos, envie de le fumer avec un truc pareil, là non, hein. Donc direct, ouais. Les marcassins, ils vont savoir qu'ils vont perdre leur petit papa. Oh, c'est assez triste ce que je dis. Mais bon, hein, on n'est pas là pour plaisanter, hein. Putain, qu'il est beau aussi en noir, les gars, comme ça. Tiens. Donc bon, ça fera l'objet d'autres vidéos, là, hein. Ça aurait été cool quand même. Hein. Wow. Ouais, putain, si c'est pas un truc de fumero, ça. Hein? Putain, c'est pour un fusil de fumier, ça. Ouais, ça c'est une custo Los Fumeros Hermanos. Ouais, une sacrée gueule quand même comme ça. Donc, je sais pas, vous me direz les potes, ce que vous en pensez, ou peut-être qu'on fera une petite crosse, tu vois, en hydropainting avec ça, genre tête de mort, ou, tu vois, El Día de la Muerte, avec des petites têtes de mort mexicaines, pourquoi pas, puis garder l'avant en full black comme ça. J'avais acheté deux bombes de peinture, soit... Putain, encore du crachat dessus. Mais bon, c'est de la salive, c'est un peu acide, donc bon, ouais, ça entretient. Waouh! Putain, là, il me plaît quand même, les potes. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Petite c'est marrant. Hein. Donc bon, ouais, qu'est-ce que je disais? Peut-être qu'on viendra se faire une petite crosse El Día de la Muerte avec ça. Pourquoi pas, les copains? Mais bon, là, avouez quand même, il y a matière à faire, hein, les potes. Oh. Il est content, Rocheteau. Hein? Donc bon, on se laisse sur ces images improvisées, débiles dont j'ai le secret. Et puis je vous dis à bientôt les copains. Mais là, oh, oh ouais, c'est jouissif, hein? Oh putain, je suis assez content du truc, hein. Bon allez les potes, je vous laisse. Et puis bon week-end et je vous dis à bientôt. Bye!